Gen, c'est un résultat frustrant ce soir. まあちょっとフラストレーションが溜まる結果になりましたけど、そうですね。まあでもチームとしてはこう追いつかれたじゃなくて追いついたっていうのは、一つ、良しとしたいとこかなと。もちろん勝ちたかったですけど、先行して追いつかれたのではなくて追いついたっていう、そこから2点目を決めるっていうところで、もう一度意地を見せたかったですけど、まあそういう結果についてはやっぱ残念かなと思います。 Tout d'abord, en fait, on a été mené. Et après, on a été égalisé. Donc, je pense que mentalement, c'est bien d'égaliser d'abord. Et après, c'est vrai que c'est dommage de ne pas marquer deuxième but. Mais j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien dire qu'on a bien égalisé. Donc, avec la force mentale. Quand on voit les 20 dernières minutes du match, est-ce qu'il y a d'autant plus de regrets parce qu'on se dit qu'il y avait de la place ? まあ、残り20分の展開を見た時に、やっぱりそういうところでもうやっぱり後悔が残るところがあると思いますけど、それについてはどうですか？やはり最初からこう、自分たちのペースにするっていうのが大事だと思いますし、でもやっぱ最初からこうね、僕らチームをロングボールばっかり頼るチームでもないと思いますし、しっかりパスをつないでやりたいので、そういうところでこうもう少し主導権を前半からパスを回して持てればなと思ってました。 Donc nous, on aimerait d'abord avoir la domination avec la possession de ballon. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours s'appuyer sur jeu direct. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est important d'avoir la dominance avec la possession de ballon. C'est là où on doit corriger et améliorer. Il y a eu deux contre-performances face à Monaco et face à Nantes. Le fait de revenir au score comme ça, c'est forcément bon ? まあ、モナコとなんと戦で、あんまりいい結果が出なかったですけども、まあこういう形で、こういう結果になったっていうのは、まあその、まあいい結果になったんじゃないかなと思います。それに関してはどうですか？そうですね。まあでも今日はやっぱ勝ちたかったですし、で、ホームでなかなか勝ててないっていうのをもう聞いてるので、しっかり準備して、次はホームで勝てるようにしたいですし、まあ僕自身、今日もいいパフォーマンスが、自分自身できてないので、Donc tout d'abord en fait c'est en général donc c'est à domicile. On n'a pas gagné depuis longtemps. C'est pour ça qu'on avait vraiment gagné ce match-là. Mais après c'est vrai que personnellement, il n'a pas été non plus performant. C'est pour ça qu'en fait dans tous les domaines en général j'aimerais bien améliorer sur la performance.